Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Test, test, test. Dites-moi si vous m'entendez. Gloire à Dieu, soyez bénis ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, est-ce que vous m'entendez? Ok. Ok, gloire à Dieu. C'est bon. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est là déjà? Oui, t'entends, c'est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, on a eu le problème de connexion, c'est pour cela, vraiment, on ne pouvait pas commencer à l'heure exacte. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Est-ce que le son est là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va encore accomplir dans nos vies. Amen. Shalom à vous, shalom aux frères et sœurs, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vraiment commencer parce que le temps est déjà parti. Gloire au Seigneur. Dans toutes choses, nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons adorer ce Dieu merveilleux qui nous donne le souffle de vie et qui nous prête, alléluia, sa bonté. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans nos vies. À toi soit l'honneur et la gloire, la louange, la célébration ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es le Père de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. C'est toi qui as aimé réellement le monde et tu as donné ton Fils Jésus-Christ de Nazareth
afin qu'il puisse venir pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous racheter. À toi soit l'honneur et la gloire. Nous voulons passer ce moment avec toi, ô Dieu de gloire. Manifeste ta présence au milieu de nous. Car tu as dit dans ta parole, si deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Éternel Dieu, nous voulons que tu manifestes ta présence parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. La Bible déclare, c'est lui. Alléluia, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Ô Dieu, nous ne voulons pas travailler en vain, mais nous voulons travailler avec toi. Viens bâtir ta maison dans notre cœur, dans notre vie, au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit au contrôle, et que le Saint-Esprit domine, et que le Saint-Esprit nous donne la force d'avancer, la force de marcher avec intégrité du cœur, dans le nom de Jésus. Tendre Père, toi qui connais nos cœurs, nous te prions ce matin. Nous venons comme Seigneur de gloire des enfants auprès de leurs parents, auprès de leurs pères. Nous voici devant toi pour dire, oh, pardonne nos cœurs, pardonne nos petitesses, pardonne nos manquements, pardonne nos fautes. Pardonnez-nous, ô notre Père, nous te prions ce matin et lave-nous par le sang précieux de Jésus, le sang qui dit un mot et le sang qui efface toute iniquité, le sang qui efface toute abomination, le sang qui efface la malédiction. Oh, le sang de l'agneau, nettoie nos cœurs ce matin afin que nous soyons irrépréhensibles devant la face de Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons si prié avec action de grâce. Merci Seigneur, Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow! Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia, que tout soit pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons aimer la vidéo? Est-ce que nous pouvons saluer aussi nos frères et sœurs? Alléluia, de part et d'autre. Nous pouvons dire un grand shalom à la grande famille internationale. Et nous pouvons aussi dire shalom, shalom. Oh, Saint-Esprit, Amen, 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 Amen. Sois le bienvenu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies. Amen, Amen, Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons, alléluia, aller directement dans le vif du sujet. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Toi, peut-être qui es là pour la toute première fois. Je te dis shalom. Shalom, cela veut dire la paix, la joie, l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel. Alléluia, sois réellement ton partage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons l'habitude, la coutume de pouvoir nous saluer par le shalom, par la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, si vous avez remarqué, j'ai marqué le thème de cette journée, alléluia, de cette prière, Seigneur, efface ce problème. Efface ce problème. Frères et sœurs, chacun de nous, alléluia, a un problème qui peut-être lui dérange. Chacun de nous peut aussi raconter un problème dans ça marche. Chacun de nous peut raconter un problème au niveau de son travail, au niveau de son foyer, au niveau familial, au niveau, alléluia, financier, mais bien aimé dans le Seigneur, au niveau financier, mais bien aimé, pour dire simplement qu'il y a un problème qui est là, frères et sœurs. Et ce problème-là, ce n'est pas ton problème. Voilà, c'est pour cela, ne faut jamais dire mon problème, ce n'est pas ton problème, c'est le problème là, ça ne te concerne pas, ce n'est pas, au fait, c'est pas ton problème à toi, ce n'est pas ton identité en d'autres termes, pour éclaircir les choses. Ce problème là, ce n'est pas ton identité, ce problème là, ce n'est pas réellement ton nom, amen.
Gloire à Dieu, ce problème. Voilà pourquoi tu diras ce problème. Amen, amen, amen. En disant cela, tu es en train de refuser ce problème. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, au verset 4. Colossiens chapitre 2, au verset 4. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, vous pouvez le faire, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre à la fin. Commencez déjà à aimer la vidéo pour pouvoir donner l'accès à une personne qui va nous suivre ou qui va suivre cette vidéo. Amen, amen. Afin que lui aussi qu'il soit béni au travers de cette prière. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, je vous ai toujours dit que la prière n'est pourrie absolument pas. La prière n'est jamais pourrie. La prière, frères et sœurs, c'est une semence. Amen. C'est une semence qui est en train d'être plantée, alléluia, pour pouvoir donner le fruit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La prière ne pourrit jamais. À l'exemple de Ézéchias. Ézéchias était malade, mais dès lors, on avait envoyé le prophète pour lui dire que non, dans cette maladie, tu vas mourir. Mais il avait fait une prière, et dans cette prière, comme la prière ne meurt jamais, frères et sœurs, l'Éternel avait changé sa vie. L'Éternel lui a donné, lui a accordé réellement, alléluia, 15 années de plus, frères et sœurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est jamais pourrie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, c'est pour cela que nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier. En priant, frères et sœurs, nous sommes en train de communier avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 au verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Frères et sœurs, nous lisons la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Éphésiens chapitre 2 au verset 14. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tac, tac, tac. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Non, ça marche pas. J'enlève, je lève dessus. Faut fermer au-dessus, sinon ça ne marche pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. La Bible déclare ceci. Excuse-moi. Ce qui est au-dessus cache. Donc, tout à l'heure, tu veux mettre. Après, il faut enlever ça. Pour mettre ça. Et enlever les deux. Mettre ça. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Jésus-Christ a réellement enlevé, effacé. Effacé, cela veut dire enlever. Effacer, cela veut dire ôter. Effacer, cela veut dire il a supprimé carrément. Hein? Il a supprimé carrément les ordonnances qui nous condamnaient. C'est quoi les ordonnances? Ces problèmes que tu as, ces problèmes qui te dérangent,
C'est ça, Jésus-Christ avait effacé cela sur la croix de Golgotha. C'est pour cela Jésus-Christ pouvait dire, Père, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a effacé. En d'autres termes, il a détruit. En d'autres termes, il a réellement ôté. En d'autres termes, il a réellement enlevé ses problèmes. Alors ce matin, toi et moi, nous allons demander au Seigneur Jésus de pouvoir effacer ses problèmes. Les problèmes, frères et sœurs, de la pauvreté. Le problème, alléluia, de la stérilité. Le problème de chômage. Le problème, frères et sœurs, de la santé. Peut-être ta santé te dérange à tout moment. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse enlever le problème, alléluia, de la souffrance dans ta vie. Le problème qui te ronge ton cœur. Frères et sœurs, la Bible déclare, il a effacé, c'est-à-dire il a réellement enlevé. Et j'aime bien cette version qui dit ceci, en ayant effacé l'obligation, waouh, en ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait des ordonnances et qui nous a été contraire et il l'a ôté en le clouant à la croix, frères et sœurs. C'était une obligation, c'est-à-dire on était condamné. On était condamné à être dans la souffrance. On était condamné à être dans des problèmes. Mes frères et sœurs, maintenant, il y a plus la condamnation. Et la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Amen, amen, amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. C'est-à-dire, le problème, le blocage, les situations difficiles ne peuvent pas, alléluia, nous tourmenter, ne peuvent pas nous faire vraiment du tort. Pourquoi Jésus-Christ, il a effacé, frères et sœurs, en le clouant cela à la croix. Il a effacé chaque ordonnance, c'est-à-dire il y avait un livre, il commençait à prendre, il commençait à déchirer, il commençait à prendre chaque feuille, il commençait à enlever, jusqu'à ce que, frères et sœurs, il n'y avait plus de condamnation. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu que nous ne voulons pas, alléluia, ce problème dans nos vies. Peut-être tu as trouvé un travail et à un moment donné, frères et sœurs, le rendement n'est pas bon. Et à un moment donné, tu es tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui vient. Les problèmes peut-être de papier, les problèmes peut-être de santé, les problèmes peut-être, frères et sœurs, des familles. Mais laissez-moi te dire ce matin, nous allons prier le Seigneur, car Dieu écoute les prières de ses enfants, car Dieu entend les prières, alléluia, d'un malheureux, et il vient pour le délivrer, il vient pour lui donner le salut, frères et sœurs. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier à Dieu. Quel est ce problème qui va dépasser l'entendement de l'Éternel? Quel est ce problème qui va réellement déranger l'Éternel des armées? Quel est ce problème qui va dépasser c'est-à-dire l'intelligence de Dieu? Frères et sœurs, il n'y a aucun problème qui pourra réellement dépasser l'entendement de Dieu, parce que c'est Dieu qui est au contrôle, parce que c'est l'Éternel Dieu qui bâtit la maison, parce que c'est l'Éternel Dieu qui ne sommeille ni ne dort, parce que l'Éternel Dieu c'est lui le créateur, parce que c'est le Seigneur Dieu, c'est lui qui ramène, alléluia, le bon temps. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Tu vas dire, ce n'est pas mon problème, mais ce problème-là. Ce problème-là doit être cloué à la croix. Ce problème-là doit être foudroyé. Ce problème-là doit être détruit au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Peut-être tu as besoin de te marier. Peut-être tu as besoin d'une promotion. Peut-être tu as besoin d'avoir des enfants. Peut-être tu as besoin de mariage. Frères et sœurs, oui, c'est possible parce que l'acte a été effacé. L'acte a été réellement condamné. L'acte qui subsistait contre nous a été détruit. My God. Alléluia. Frères et sœurs, il a effacé. Alléluia. Et lorsque nous regardons
Nous regardons dans Ésaïe. Ésaïe a prédit cela bien avant pour dire. Il dit ceci dans Ésaïe 43 au verset 25. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi. J'aime bien cette combinaison de phrases. Écoutez, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, pour l'amour de moi. Et je ne m'en souviendrai plus de tes péchés, frères et sœurs, pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est capable d'enlever l'obscurité. Dieu est capable d'enlever les blocages. Dieu est capable d'enlever des situations compliquées au nom de Jésus. Et il va encore dire plus loin dans Ésaïe 44, au verset 22. Au verset 22, frères et sœurs. Ésaïe 44, au verset 22, il dit ceci. Gloire à Dieu, il dit ceci. Il dit ceci, je lis là dans le nom de Jésus. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Waouh! Amen, 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 amen. Frères et sœurs, le problème est que nous devons étaler nos problèmes devant Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Frères et sœurs, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna. C'est pour cela, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur et que ces problèmes puissent réellement quitter, alléluia, dans notre parcours, puissent être réellement résolus au nom de Jésus et que la solution vienne dans ces problèmes et que le résultat favorable vienne dans ces problèmes au nom puissant de Jésus. Possible, mon frère, c'est possible, ma soeur. Oh, peut-être tu as besoin d'un enfant, ça fait si longtemps. Frères et sœurs, laissez-moi te dire, Sarah avait le même problème que toi. Alléluia, mais toi, tu n'es pas stérile. Pourquoi? Parce que en ce moment-là où nous parlons, l'acte de nos désordonnances a été réellement effacé, frères et sœurs. Et tu n'es pas stérile. Et Dieu va te donner des enfants au nom de Jésus. Si tu reçois cela, saisis cela avec action de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que ton miracle arrive dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, tu dois comprendre que, alléluia, que la montagne que tu vois là, ça sera aplani parce que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il dit, c'est pour l'amour de moi. J'aime bien ça. Pour l'amour de moi. Au lieu de dire, c'est pour mon amour, c'est grâce à moi. Mais il dit, pour l'amour de moi, pour te signifier réellement, il a tant d'amour. Alléluia, pour enlever. Frères et sœurs, Dieu est capable d'effacer tous les péchés. Dieu est capable d'enlever tous les mal. Dieu est capable d'enlever ces problèmes. Ces problèmes ne t'appartiennent pas. Ces problèmes, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Christ. C'est le problème de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur parce que nous n'avons pas le temps. Alléluia, décortiquer, cette parole. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est l'Éternel des armées qui efface nos transgressions. C'est l'Éternel des armées qui nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Ah, frères et sœurs, sois dans la joie, sois dans la joie. C'est pour cela, frères et sœurs, tu dois accepter le Seigneur comme Seigneur de ta vie. Tu dois accepter. Accepter le Seigneur, cela veut dire, je suis que Jésus-Christ est seul. Je n'ai pas d'autres idoles. Je n'ai pas d'autres dieux devant moi. Je n'ai pas à faire le mélange. Je ne peux pas faire le mélange. À un moment donné, je suis un tel. À un moment donné, je prends le bracelet. Je commence à compter de bulles dans le bracelet. Non, ce n'est pas ça, frères et sœurs.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je dois suivre que Jésus seul. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole merveilleuse? Amen, amen. Pendant ce temps, toi qui n'as pas encore donné ton offrande en aimant simplement la vidéo, tu peux le faire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur rapidement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Baratini, sois béni pour ton offrande ce matin. Alléluia. Et que cette offrande réellement puisse parler devant le trône de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Frères et sœurs, tu n'as plus de problème. Alléluia. Après cette prière, alléluia, tu vas déclarer la victoire dans ta vie. Après cette prière, tu vas confesser réellement le bonheur et la grâce dans ta vie. Après cette prière, tu vas confesser, alléluia, l'héritage de Dieu. Tu vas confesser l'exaucement de Dieu. Tu vas confesser la victoire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu avais mal au dos, si tu avais mal à l'épaule, si tu avais mal au genou, frères et sœurs, je déclare, après cette prière, tu n'auras plus mal parce que Jésus-Christ de Nazareth, il a effacé l'obligation au nom puissant de Jésus. Il a enlevé cette obligation du monde des ténèbres parce que le monde des ténèbres, ils étaient braqués pour dire, tu seras obligé d'être toujours malade. Mais Jésus-Christ, par son amour, il a effacé les actes, les ordonnances, les obligations du diable dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu ce matin. Tu vas bénir l'Éternel des armées. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu as effacé ces problèmes dans ma vie, parce que tu as effacé ces problèmes dans mon foyer, parce que tu as effacé ces problèmes dans mon parcours, dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, tendre Père, oh, ce matin, alors que nous venons devant ta présence, nous te disons merci Père, parce que tu as effacé ces problèmes qui étaient, Seigneur de gloire, dans notre parcours. Tu as effacé ces problèmes qui dérangeaient ma famille. Merci tendre Père, je te bénis. Bénis ce matin, je te glorifie ce matin parce que tu as effacé ces problèmes, parce que tu as enlevé ces problèmes dans ma vie. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, exalté dans les noms puissants de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton amour, je glorifie ta bonté, je glorifie Seigneur ta présence Seigneur, oh Dieu, ta présence me comble, ta présence Seigneur me rend libre, que toute la gloire te soit rendue. Ce matin, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, je viens chanter à ton honneur. Je viens te louer ce matin parce que tu es le Dieu véritable. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu as enlevé la maladie, parce que tu as effacé, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh les ordonnances, oh Dieu qui m'est condamné. Tu as enlevé cette obligation, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'acheter chaque fois, Seigneur, le médicament. Que ton nom soit béni ce matin. Louange à ton nom, Seigneur. Hosanna, hosanna. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander pardon rapidement. Nous allons demander pardon à Dieu et demander en même temps le sang de l'agneau, afin que le sang de l'agneau puisse nettoyer notre corps, notre expression, notre vocation, notre entendement, et que tout soit réellement agréable à Dieu. Afin que lorsque nous allons demander à Dieu, et que Dieu puisse nous écouter, et que Dieu puisse nous entendre, et que Dieu puisse nous exaucer. Prions le Seigneur. Alléluia.
Oui, tendre Père, nous voici encore devant ta présence. Nous voici encore devant toi, car c'est toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, frapper à ta porte d'amour, à ta porte, Seigneur, ô Dieu de gloire, de compassion, pour dire, Seigneur, pardonne nos petitesses, pardonne nos fautes, pardonne nos transgressions, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Nous te disons ce matin que tu nous puisses nous pardonner. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire. Et purifie nos cœurs par le sang de l'agneau. Purifie nos voix par le sang de l'agneau. Lave-nous ce matin. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Okay, le sang de l'agneau qui a été coulé sur la croix. Le sang qui a été effacé, le péché. Le sang de l'agneau qui a effacé les transgressions. Puisse nettoyer ma vie ce matin. Puisse nettoyer mon parcours ce matin. Puisse nettoyer ma maison ce matin. Oh, je te prie, tendre Père, et que je sois lavé et que je sois purifié dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. J'en suis prié. Oh, que le sang de l'agneau efface maintenant le péché dans mon cœur, le péché inconscient, le péché conscient. Je te prie ce matin, nettoie mon cœur et que je sois plongé dans le bain du sang de l'agneau, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, et que je sois restauré et que je sois lavé au nom de Jésus. Oh, lave mon cœur, lave ma vie ce matin par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, dans les noms de Jésus, j'ai ainsi prié avec action des grâces. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur ce matin. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable de pouvoir nous alimenter. Alléluia, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, alimente mon cœur, alimente ma vie ce matin. Alléluia, pour que je sois agréable à Dieu. Alimente mon cœur, c'est-à-dire, viens me ravitailler. Cela veut dire, viens me booster ce matin et que je puisse prendre l'envol comme un aigle et que je puisse courir sans se fatiguer au nom de Jésus. Prions le Seigneur, demandons l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie ce matin, viens me ravitailler ce matin. Viens encore me booster ce matin, afin que je puisse prendre l'envol comme l'aigle et que je puisse courir sans se fatiguer et que je puisse aller au-delà de ce que je peux imaginer dans les noms de Jésus. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens ce matin, anime mon cœur. Allume le feu dans ma vie ce matin. Ravitaille mon cœur ce matin et que je puisse prendre l'envol comme l'aigle et que je puisse courir sans se fatiguer et que je puisse faire des trajectoires, des distances. Alléluia, au nom puissant de Jésus, et que je sois capable de toute bonne œuvre dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie ce matin. Saint-Esprit, je t'appelle ce matin. Viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie. Change mon parcours ce matin, change ma vie ce matin, transforme-moi ce matin, et que je puisse prendre l'envol comme un aigle, et que je puisse courir, et que je puisse aller au delà de l'Éternel des armées, et que je puisse avancer et que je puisse prendre l'allure au nom puissant de Jésus, dans la sainteté, dans la piété, dans la marche avec le Christ de Nazareth, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, n'oubliez pas, frères et sœurs, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé les obligations du diable. Il a effacé réellement, alléluia, toute condamnation. Alors nous allons encore demander au Saint-Esprit, tu vas dire ce matin, frères et sœurs, Il dit ceci, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi. Et c'est l'Éternel qui dira, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Et reviens à moi, car je t'ai racheté. Waouh, quelle parole! Frères et sœurs, en écoutant seulement la parole, j'ai la foi dans cette parole. J'ai saisi cette parole, elle est la mienne maintenant. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors tu vas dire ceci. Tu vas dire, Saint-Esprit, ordonne à ces nuages de problèmes, à ces nuages de problèmes de célibat, à ces nuages de problèmes de procrastination, alléluia, qui puissent quitter ma vie maintenant au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, ordonne à ces nuages de problèmes, à ces nuages de célibat, à ces nuages de procrastination, de quitter ma vie dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables dans notre cœur, je te prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, ordonne à ces nuages de problèmes, à ces nuages de célibat, à ces nuages de la stérilité, à ces nuages de procrastination, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie ce matin, ordonne à ces nuages de problèmes, à ces nuages, oh, de procrastination, à ces nuages de la stérilité, de laisser ma vie, de libérer ma vie, de quitter mon chemin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car Jésus-Christ a dit, j'ai effacé tes transgressions comme un nuage. Oh, je te prie ce matin, je te prie ce matin, enlève les nuages, oh, de ce problème, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce qui cache ce problème, tout ce qui bloque, Seigneur, mon avancée, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin, enlève ces nuages de procrastination, enlève ces nuages de célibat, je n'arrive pas à trouver, alléluia, le bonheur, je te prie ce matin, je te prie ce matin, Saint-Esprit, enlève ces nuages de problèmes, de procrastination, au nom puissant de Jésus, oh, que cela puisse libérer ma vie, que cela puisse quitter mon parcours, dans le nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, Rabachaya, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, Ribabocha, Ribabababa, oh Saint-Esprit, je te prie ce matin, on donne à ces nuages de problèmes, à ces nuages de maladies, à ces nuages de difficultés, de laisser ma vie, de quitter ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier le Seigneur rapidement, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, alléluia, tu vas dire, mon Shiloh, le Shiloh, c'est-à-dire le possesseur de ton âme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, mon Shiloh, efface toute obligation de la malédiction. Alléluia, qui était sémé contre ma vie. Et que cela soit foudroyé. Et que cela soit cloué à la croix au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Oh mon Shiloh, mon possesseur de mon âme. Oh, je te prie ce matin, efface toute obligation de la malédiction, efface toute obligation de la maladie, efface toute obligation, alléluia, oh, des microbes, oh, qui étaient semés contre ma vie, dans le nom de Jésus, pour me tourmenter, pour me troubler. Je te prie ce matin, mon Shiloh, efface cela, comme tu as dit, par ton amour, pour l'amour de moi. Oh, je t'en prie ce matin. Je t'en prie ce matin, mon Shiloh. Efface toute obligation de la malédiction. Toute obligation, alléluia. Oh, qui a été semée. Oh, pendant la nuit. Parce que tu as dit, toute plante mauvaise que tu n'as pas plantée sera déracinée. Oh, je t'en prie ce matin. Mon Shiloh commence à déraciner. Commence à effacer ce matin. Commence à effacer ce matin dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, et que la malédiction devienne bénédiction au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Christ et Jésus, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances, oh, mes condamnés qui existaient contre moi, Ribachaya, au nom de Jésus, mon Shiloh, lève-toi, mon Shiloh, lève-toi, commence à effacer toute obligation démoniaque et satanique dans ma vie, sur mes enfants, au nom puissant de Jésus, dans mon parcours, au nom puissant de Jésus. Ah, je veux ce matin tout ce qui était semé dans le monde des ténèbres, et que cela soit déraciné, et que cela soit foudroyé dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dans le nom de Jésus, à ton nom glorieux, dans le nom puissant de Jésus, Ribaba Shaya, au nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, tu vas encore
Tu vas encore prier le Seigneur ce matin. Tu vas encore prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire, mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, rends-moi la totalité des solutions sur ce problème qui ronge mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je répète encore, tu vas dire, mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi la totalité des solutions sur ce problème qui ronge mon cœur, qui ronge ma vie dans le nom de Jésus. Oh, prions le Seigneur. Oui, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi la totalité des solutions sur ce problème. Oh, qui me dérange, qui me ronge, qui ronge ma vie, qui ronge mon cœur dans le nom de Jésus. Je veux la totalité des solutions dans chaque domaine de ma vie, dans chaque situation au nom puissant de Jésus. Sur ce problème, mon Père, oh Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi la totalité des solutions et que la solution soit, alléluia, multipliée dans ma vie. La solution soit multipliée dans ce problème. Au nom puissant de Christ et Jésus de Nazareth, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ribaba shaya rebosa, rababa shakariba. Oh mon Seigneur, toi qui es mon Sauveur, toi qui est mon Créateur, toi qui es mon Libérateur, rends-moi la totalité des solutions, les solutions, Seigneur, sur ce problème, Seigneur, qui est devant moi, les solutions, Seigneur, la solution, Seigneur, qui est, Seigneur de gloire, Père, alléluia, pour ma vie, la solution, Seigneur, oh, pour mon existence, la solution pour ma percée, la solution pour mon travail, au nom puissant de Christ et Jésus, que ton nom soit béni ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons parler à Christ et Jésus. Nous allons parler à Jésus-Christ et de Nazareth ce matin. Alléluia, tu vas dire, Seigneur Jésus, tu vas dire, oh Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, sur ce tableau, alléluia, sur ce tableau de blocage, alléluia, qui est devant moi, ou qui est dans ma mémoire, retire tout danger, retire tout cela au nom puissant de Jésus, Rabashaya. Oh, je répète encore, tu vas dire, mon Seigneur Jésus, alléluia, oh, sur ce tableau, Seigneur, des problèmes, sur ce tableau, Seigneur, dangereux, alléluia, qui est réellement dans mes pensées, commence à les retirer maintenant dans le nom de Jésus, commence à enlever cela, parce que c'est toi qui ôtes, c'est toi qui effaces le péché, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, mon Seigneur, je prie ce matin, alors ma prière ce matin doit être exaucée, je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur ce tableau qui a été marqué à condamnation, sur ce tableau qui a été marqué, alléluia, échec, sur ce tableau qui a été marqué, Seigneur, défaite, efface cela, retire cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah, je veux ce matin que ta parole soit accomplie, Seigneur, dans ma vie au nom de Jésus. Je veux ce matin que ta parole, Seigneur de gloire, domine dans le nom de Jésus. Commence à retirer ces panneaux, commence à retirer ces tableaux, Seigneur, dans ma mémoire, au nom de Jésus, dans mon parcours, au nom de Jésus, dans ma circulation, au nom puissant de Jésus, dans ma maison, dans mon travail, au nom de Jésus, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui effaces le péché, toi qui enlèves les ordonnances, Seigneur de gloire, de la malédiction dans nos vies, je te prie ce matin, et que ce tableau, Seigneur de la malédiction, et que ce tableau de problèmes soit maintenant retiré ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce tableau qui a longtemps duré dans ma vie, ce tableau qui a longtemps duré, oh, le tableau de la stérilité, le tableau de la pauvreté, le tableau du blocage, le tableau, alléluia, de la pauvreté, le tableau, Seigneur, oh, de la perte, le tableau, Seigneur de gloire, Père, oh, Dieu de gloire, de la maladie, et que cela soit retiré dans le nom de Jésus, et que cela soit retiré ce matin dans le nom de Jésus. Commence à retirer ces tableaux de la malédiction, commence à retirer ces tableaux de la stérilité, commence à retirer ces tableaux, Seigneur, du
blocage dans le nom puissant de Jésus. Oh, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon avenir, sur ma destinée, dans le nom de Jésus. Car la Bible me dit, Seigneur, oh, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il n'y a plus de condamnation, oh, pour ceux qui sont en Christ Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, ah, Rabachaya, efface et retire ce tableau. Retire ce tableau ce matin. Déracine ce tableau. Déracine ce tableau. Au nom puissant de Jésus, le tableau de la stérilité, le tableau du blocage, le tableau de la mendicité, le tableau de la pauvreté, le tableau, Seigneur de gloire, Père, oh, de la stagnation, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas encore prier le Seigneur. Jésus-Christ est de Nazareth, alléluia, sans moi, alléluia, vous ne pouvez absolument rien faire, frères et sœurs, c'est Christ et Jésus qui est, alléluia, l'auteur de nos vies, alléluia, si Christ est à nous, alléluia, nous allons vivre, si Christ est à nous, alléluia, nous allons triompher, alléluia, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, frères et sœurs, je te prie ce matin de pouvoir être concentré, alléluia, dans cette prière, frères et sœurs, parce que je sens la présence de Dieu, alléluia, Dieu va restaurer ce matin, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer, Dieu va rendre la justice, Dieu va rendre la solution au nom puissant de Jésus. Ah, oh frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Alors tu vas dire, alléluia, tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, que chaque ordonnance, alléluia, alléluia, liguée, qui était liguée contre ma vie, oh, que cela soit maintenant ôté dans le nom de Jésus. Chaque ordonnance démoniaque et satanique qui était ligué contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma femme, contre mon avenir, et que cela soit ôté, détruit au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Riba baba shaya. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alors que je me présente devant la porte du matin, oh, que chaque ordonnance qui a été liguée contre ma vie, oh, pour que je ne puisse pas marcher, pour que je ne puisse pas vivre, Seigneur, la joie de Dieu, et que je ne puisse pas jouir le bonheur et la grâce, et que cela soit effacé, et que cela soit ôté dans le nom de Jésus, et que cela soit ôté dans ma famille, et que cela soit ôté sur mes enfants, et que cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, et que ce matin, Seigneur, et que chaque ordonnance, Seigneur de gloire, Père, de la malédiction, chaque ordonnance, Seigneur de gloire, Père, de la maladie, chaque ordonnance, Seigneur de gloire, de la pauvreté, et que, Seigneur, qui a été ligué contre ma vie, qui a été ligué contre mes enfants, qui a été ligué contre ma famille, et que cela soit ôté, et que cela soit ôté, au nom puissant de Christ et Jésus, au nom puissant de Christ et Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, mon Père, mon Père, oh, que chaque ordonnance, Seigneur, qui a été ligué contre ma vie, et que je ne puisse pas marcher, et que je ne puisse pas, oh, réussir, et que cela soit échoué maintenant, et que cela soit ôté maintenant, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Alléluia, nous allons encore prier ce matin parce qu'il a dit dans sa parole, j'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté. Alors frères et sœurs, tu vas encore prier, tu vas dire, tendre Père, toi qui effaces toutes tes transgressions pour l'amour de toi, alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, détruis réellement le sac de problèmes, alléluia. Oh, qui est devant ma route, qui est devant mon chemin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, au nom de Jésus. Tendre Père, mon Père, mon Père, oh, toi qui effaces toutes tes transgressions pour l'amour de toi, pour l'amour de toi. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, détruis tout sac de problèmes. Oh,
dans mon environnement, dans ma vie, sur mon chemin, dans ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, mon Père, pour ton amour, toi qui effaces et toques chaque transgression, toutes tes transgressions effacées, alléluia, par ton amour. Je te prie ce matin, aujourd'hui Seigneur, détruis le sac de problèmes dans ma vie, détruis le sac de problèmes, de soucis dans ma vie ce matin, et que cela soit détruit, et que cela soit foudroyé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libère ma vie, libère mon cœur, libère-moi, au nom puissant de Jésus, car tu m'as racheté, ah, par un prix, alléluia, extraordinaire, le prix du sang de l'agneau, le prix du sang de l'agneau, oh mon Père, tendre Père, oh toi qui efface toutes transgressions, pour l'amour de toi, aujourd'hui je te prie Seigneur, de détruire le sac, de détruire le sac de la malédiction, de détruire le sac de la confusion, de détruire le sac, alléluia, de la maladie, de virus, de contagion, dans le nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, alléluia, nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, rachète ma cause. Et cloue, alléluia, cela sur la croix de ta victoire. Afin que je puisse témoigner la puissance de ta parole dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je répète encore, tu vas dire, Seigneur Jésus, rachète-moi, rachète ma cause. Oh, et cloue réellement, alléluia, cela sur la croix de Golgotha. Oh, ce problème, et que cela soit cloué sur la croix de la victoire. Afin que je puisse témoigner la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, Rabashaya, Rebabashaya, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, le roi des gloires, Jésus-Christ et de Nazareth, rachète ma cause, rachète ce problème, Seigneur, et cloue cela sur la croix de la victoire, afin que je puisse témoigner la puissance de ta parole dans ma vie ce matin, au nom de Jésus. Oh, je veux ce matin que je puisse être, alléluia, le témoin oculaire, et que tu as effacé, que tu as enlevé, que tu as racheté ma vie et que tu m'as donné la vie en abondante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth, rachète ma vie ce matin, rachète ce matin, alléluia, cette affaire, éternel Dieu, et que cela soit cloué à la croix de la victoire, afin que je puisse témoigner la puissance de ta parole dans ma vie, dans mon entourage, dans mon cœur, dans mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, frères et sœurs, rapidement, nous allons dans la prière de traitement, frères et sœurs. Nous allons recommander cette journée et que cette journée, alléluia, qui est réellement, alléluia, et l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Dans cette journée qui est la parole de Dieu, l'accomplissement de sa parole dans chaque minute, dans chaque oïta, dans chaque heure, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, alors que nous venons devant toi ce matin, toi qui es le médecin traitant, toi qui es le docteur le plus absolu. Nous venons devant toi, Seigneur, pour traiter notre journée et que notre journée soit traitée par toi ce matin. Nous voulons ce matin, alléluia, oh, alléluia, l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de ton exaucement dans le nom de Jésus, dans cette journée, Seigneur, et que nous puissions sentir et que nous puissions témoigner et que nous puissions vivre, Seigneur, tes oracles au nom puissant de Jésus. Oh, mon Père, je te prie ce matin, Seigneur, de pouvoir traiter, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu Père, ma vie, de pouvoir traiter, Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire, oh mon parcours, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui est l'accomplissement de ta parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit, Ribashaya. Oh ce matin, Seigneur, qui est l'accomplissement de ta parole dans chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, tu vas.
Tu vas dire ce matin, alléluia. Oh, tu vas dire ce matin, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie dans le nom de Jésus. Et je habiterai dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, tendre Père, alors que nous venons devant toi ce matin, toi qui es le médecin traitant de nos vies, je te prie ce matin, mon Père, le bonheur et la grâce puissent m'accompagner maintenant. Et afin que je puisse habiter dans ta maison, afin que je puisse raconter tes œuvres dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce matin, Seigneur, et que le bonheur et la grâce puissent m'environner, et que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner dans cette journée, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, tu as dit, Seigneur de gloire, Père, c'est toi, Seigneur, qui va nous bénir. Tu as un projet de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Éternel Dieu, je te prie ce matin, Seigneur, et que le bonheur et la grâce puissent accompagner mes enfants à l'école, et que le bonheur et la grâce puissent accompagner ma famille, et que le bonheur et la grâce puissent accompagner, Seigneur, oh Dieu Père, tes enfants ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, alléluia, tu vas recommander, alléluia, cette journée, alléluia, tu vas dire, mon Père, alléluia, peu importe la pluie, peu importe la saison, peu importe le temps, peu importe le climat, alléluia, mais je sais que moi je sais, mais même s'il y aura la pluie, même s'il y aura le soleil, même s'il n'y aura pas le soleil, et que dans cette journée, me procure la solution au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, tendre Père, je prie ce matin, Seigneur, oh Dieu Père, pour, Seigneur de gloire, le traitement de ma vie, pour le traitement de ma journée, Seigneur. Éternel Dieu, peu importe, Seigneur, le climat, peu importe, Seigneur, oh Dieu, la saison, le temps, Seigneur, mais c'est que je sais dans cette journée, Seigneur, et que cela puisse me procurer réellement la solution, la victoire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que je puisse régner avec toi au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec action des grâces. Amen, 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 amen. Alléluia, je vais prier rapidement pour vous. Seigneur Dieu, bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Accorde ton peuple, Seigneur, la victoire. Accorde ton peuple, Seigneur, la solution, la réussite. Accorde ton peuple encore, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, l'exaucement, Seigneur, oh Dieu Père, inattendu, dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, et que dans cette journée éternelle, que nous puissions savourer réellement, Seigneur, oh Dieu, ta parole, oh Dieu, ton soutien, dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ainsi prier, soyez bénis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de quitter, donc voici donc le verset du jour. Alléluia, voici donc le verset du jour. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, c'est 1 Jean 2 au verset 1er. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ de Nazareth, le juste. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Donc, aimez la vidéo avant de quitter. Frères et sœurs, aimez la vidéo. Alléluia, donnez une offrande à Dieu pour cette prière. Je sais dans mon cœur, l'Éternel va vous surprendre. Je sais dans mon cœur, l'Éternel va vous donner le meilleur. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut pas quitter cette vidéo comme ça. Aime la vidéo avant de quitter. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aime la vidéo. Alléluia, aime la vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Une excellente journée glorieuse. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Ok. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Alors, juste pour comme annonce, j'aimerais juste dire, si vous avez vos commentaires qui sont supprimés, je ne sais pas si ça vous arrive, ça ne dépend pas de la tour de prière, ça doit être YouTube. Mais sinon, dès qu'on vous voit à l'écran, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Voilà, par rapport à Frida Foubert, tu es à l'écran, donc tu n'es pas bloqué du tout. Il n'y a pas de blocage d'un autre niveau. Voilà, si ça vous arrive, des fois c'est Google, mais dès qu'on vous voit à l'écran, si on vous répond, c'est qu'on vous voit et que vous êtes là. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc ne vous inquiétez pas. Que le Seigneur vous bénisse, le verset du jour, donc c'est ça. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci de l'apprendre, c'est très important.
d'apprendre ce verset, ou encore de le lire. Lisez-le jusqu'à ce qu'il va rentrer dans votre âme, jusqu'à ce qu'il va rentrer dans votre esprit, jusqu'à ce que ça va rentrer en vous. Et quand vous priez, c'est efficace, parce que si vous êtes oppressé ou vous avez, il y a une maladie ou quelque chose, et vous déclarez ça. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous déclarez au nom de Jésus, j'ai un avocat auprès du Père. J'ai un avocat, Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Donc c'est très, très important. Donc soyez bénis. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Par la grâce de Dieu, merci d'aimer la vidéo s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver donc à midi. Par la grâce de Dieu, à midi, nous aurons la PPRS. Soyez bénis. Et alors, je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose. Gloire à Dieu. Alors, je vous dis donc à tout à l'heure midi. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao. Qui est comme toi, ô Éternel? Magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Personne. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, le roi majestueux, le glorieux. Ah, nous désirons ta kavod, nous désirons ta gloire, la nuée de gloire sur nos vies. Nous désirons ta gloire comme Moïse. Ta gloire. Kabod,
célébrons de nous te magnifions. Yeshua.